Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Coolo Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite à propos des défis des 14 jours de l'été. Et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de visiter un parapluie géant et un canard en plastique géant en une seule partie. Donc je vais vous montrer les emplacements de tous ces objets et c'est parti pour la vidéo, let's go! Alors voici à quoi ressemblait parasol géant, donc voilà, il y en a un qui se trouve à deux stidivos, donc juste celui où je suis, donc il se trouve juste ici. Alors les autres parapluies géants, donc moi je vous conseille d'aller sur celui-là parce que le poussin il est juste ici, voilà il est plus ou moins par ici. Donc je vous conseille d'aller sur celui-là, comme ça vous visitez celui-là, puis après vous y allez directement au poussin. Alors les autres emplacements de parapluies, je vais quand même vous les indiquer, c'est très simple, vous les voyez en point jaune. Enfin voilà, quand vous zoomez, vous voyez un gros truc jaune, ça veut dire que c'est l'emplacement du parapluie. Donc il y en a un là, il y en a un ici, il y en a un ici aussi. Je pense qu'il y en a un ici, voilà, juste ici. Il y en a un autre, voilà, là je vous en ai déjà montré 4, il y en a un cinquième ici, voilà. Je sais pas s'il y en a dans le désert, s'il y en a un ici dans le désert, voilà. Et je pense que je vous ai tout dit, hein. Je pense que j'ai montré les emplacements de tous les parapluies. Enfin, c'est possible que j'en ai loupé un ou deux, mais c'est pas très très grave. Alors maintenant, je vais vous montrer l'emplacement du canard, parce que logiquement, il devrait se trouver par ici, donc on va aller voir. Ok, donc le canard géant, il se trouve juste ici. Donc il faut savoir que ce canard-là, il a avancé en fait. Je pense qu'il a, il est arrivé ici, puis après il a avancé là, il a avancé là, il a avancé là, jusque... à avancer ici. Alors ce canard géant, il a 1 million de points si je me trompe pas. Ouais, il a 1 million de points, donc quand on le casse apparemment il y a rien dedans. Et en fait il avance jusqu'à Loot Lake. Je pense que il sera à Loot Lake très prochainement. Alors c'est possible que le canard ait changé de position, parce que bah, moi je fais cette vidéo avant que le défi sorte. Donc c'est possible qu'il se trouve directement à Loot Lake. Donc je pense pas, hein, je pense qu'il va rester là. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir à Loot Lake s'il n'est pas ici sur quand vous regardez, quand vous faites votre défi. Alors il y a une petite rumeur qui vient de Minus, hein, Minus le Grand qui m'a parlé de cette rumeur, qui dirait que le monstre de Polar Peak, donc Catus, eh ben se serait transformé en canard. Comme pour le propane, tu vois, pour l'événement propane, ben voilà, lui s'est transformé en canard et il avance tout doucement vers Loot Lake. Bon après c'est une petite rumeur, hein, c'est peut-être pas vrai, c'est peut-être pas faux, c'est peut-être vrai, j'en sais rien, mais voilà quoi, il fallait que je vous le dise, comme ça vous étiez au courant. Et voilà, j'espère que cette vidéo ben, vous aura été utile, hein. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. N'oubliez pas le code créateur SoirCoolMacYTV dans la boutique de Fortnite. Et merci à tous ceux qui me soutiennent, les potos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoirCoolMac et ciao. Peace.